Waouh. C'est quand même impressionnant. La scène, on appréhende votre cœur. Vous êtes là dans vos fauteuils. Vous tous ensemble et nous tous seuls. On sait, c'est le refuge de ceux qui ont beaucoup plus besoin d'envie de s'inventer une autre vie. La scène, où notre sang nous appartient. Où tous s'allument, tous s'éteignent. Le quai de gare où tous nos trains se prennent. C'est ici que nos rêves font, trois petits tours et puis s'en vont. Que demain soir ils revivront sur scène. Quand la musique ouvre ses ailes, on court, on vole à son appel. On rêve de se fondre dans les lourdes. Un irréel est plus vrai que vrai, puisque c'est vous qui nous aidez à vous sentir et sans tricher. Est-ce que ça va? Ah ben là, ça a changé une femme, hein, chaud. Hello, come stai? C'est tout ce que je sais dire. Hein. Ah ben écoute, on va tout savoir. Hein. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Oui! Est-ce que vous reviendrez? Oui! Si je suis là, bien sûr. Oui! Tu vois, j'ai l'impression de rien leur dire, je le savais. Hein. Ah oui, ben justement, je vais revenir le 22 septembre. Tout le monde que ça, tout le monde debout, tout le monde à poil. Mais ça, c'est après, hein, c'est l'orgie. Hein, je... On ferme les lumières, on cache pas les volets et on y va. Hein. Ah oui, écoute, ils peuvent regarder. Hein. Pas plus de monde. Et puis on est entre nous, hein. Plein les faux ichous. Non, c'est Gilles. Ça va, vous avez bien mangé? Oui. Vous avez passé une bonne soirée? Oui. Je suis sûr grâce à moi. Oui. Je le savais. Il faut tout leur dire, quand même. Grâce à Michel aussi, hein, si elle a. Oui, ça c'est vrai. Elle a vu que j'avais recommencé, elle a dit putain de bordel, Barbara, il faut que tu reviennes. Hein. Je dis bah ça va Michel, t'énerve pas, je reviendrai. Oh. Mais voilà, ben, là aussi ça va prendre du temps, moi, de septembre, je t'imagine. Elle a trouvé que cette date-là. Je me dis, c'est ça, elle va me dire, dans deux semaines, pas que dalle, j'ai pas de septembre. T'imagines, il faudra attendre. Vous avez intérêt à économiser pour venir avec plus de monde. Hein. Pouh, regarde, j'en perds mes oreilles. Dis qu'on parle de poignons, elle se bat. Rattrape-la un peu, je pense que je suis à peu près. Non, ça va geler, regarde, elle est là. Non, c'est parce que ces trucs-là, c'est super joli. Oui.
Oui, mais ça tient pas. Et puis j'ai oublié ma petite colle. Tu vois, il y a des genres de petits chewing-gum là que tu mets derrière. Je te jure, une fois que tu mets ces machins là, ça tient. Hein. Tu peux faire le poirier, ça tient. Hein. Pas de problème, si tu fais le poirier, il n'y a rien qui se barre. Il n'y a que le collier qui reste. T'imagines ? Même le string, hein, de temps en temps, il se barre. Sur le côté, bien sûr. À part si tu prends un ciseau, tu peux le couper. Des fois, ça va plus vite. Hein. Au moins, tu vas droit au but. Ouais, c'est ça. Et tu sais, les trucs comme ça, c'est jamais autant des paf, on y va, quoi. Non ? Je vois qu'elles sont d'accord, elles écoutent ce que je dis. Non, mais bientôt, on va faire un truc d'anatomie et vous allez voir, on va bien se marrer. Alors, vieille, si je le prendrai un beau jeune homme quand même pour vous montrer tous les attributs. Moi, je sens que ça l'intéresse, là, ici. Depuis tantôt, comme ça, il rit, mais de l'intérieur, tu vois. Ah, chaque fois, je le regarde. Tu souris quand tu veux, hein. Mais c'est quand il va rentrer, je vais dire, putain, j'ai passé une bonne soirée, hein. Ah bon, écoute, on l'avait pas vu, hein. C'était intérieur, hein. Non, chez lui, c'est fort intérieur, hein. Il garde tout à l'intérieur. Par contre, je suis sûr qu'au lit, quand il éjacule, il sort tout ça, hein, chou. C'est pour ça qu'il sait. Parce que quand il y va, il met la sauce, le gamin. Trois ketchup, paf, en plein dans l'œil. Même chose. Regarde, tu vois, il y a si tu dors pas, hein, parce qu'il sait que j'ai raison. En plus, si tu mets un doigt dans le cul, c'est encore pire. Ah, ça va, il y a plein de mecs qui adorent ça. Même chose. Ah, toi, là, derrière, là, la femelle, là. Non, pas toi, l'autre, là. L'autre, non, toi qui les mets toi partout. Bah, non, j'ai pas dit les mecs, j'ai dit toi, là-bas, là. L'ancienne blonde. Ça se voit, là, tu regardais les mèches blondes. Ça veut même pas que c'est elle que je parlais. Ouais, hein, chaud. Et hop là, il y a tout qui sort, hein. D'un coup, quand tu veux être tranquille, tu lui mets un doigt dans le cul, tu te racasses. Après, c'est fini, terminé. De quoi, non? Tu préfères la main, toi? Ah oui, je sais. Ah, il y en a qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres, hein, chaud, je sais. Ah, ça. Ouais, une fois, j'ai été surpris avec un pied. Ah, ouais, non, c'est surprenant. Ah, ben oui, c'est surprenant, hein, ça. Il avait disparu. Ah ouais? Ah ben je dis, bah, mon gamin, t'as un gros tunnel, hein? Ouais. Et il m'avait dit, hein, je te jure, c'est la première fois. Mais qu'est-ce que c'est alors quand c'est pas la première fois? C'est le petit génie qui passe. Oui, chaud. D'où l'expression prendre son pied. Ah ben ça, c'est le tunnel. C'est moi, je l'avais pris, hein? Et heureusement qu'il n'y avait rien en revenant, hein, parce que sinon, bouge-toi, hein? Là, j'avais pris mon pied, mais dans le chemin boueux, hein? Parce que ça glisse à ces machins après. Et si... ouais, en plus, si c'est petit gauche, ça va. Au moins, ça te rapporte du pognon. Au moins, t'as choisi le bon. Sur ce, je vais vous laisser passer une dernière bonne petite soirée, parce que c'est pas encore fini. Il faut boire, il faut consommer. Moi, c'est un coca. Si vous d'accord, vous m'offrir à faire. Faites plaisir, je coûte pas cher. En plus, je suis pas une femme qui coûte cher. Non, non. Arrête de te toucher comme ça. Sois pas radin. Mais non, pas toi, l'autre à côté. Là. Ah, tu penses au trou. Bah, ouais, ah, ça perturbe ces choses-là. Ouais, ouais, mais tu verras. Elle va commencer d'abord avec un doigt, puis deux, trois, puis c'est la mèche. Tu verras. Arrête de dire, ah, oh, chaud. Le 22, fais, bah, mec, tu verras. Le 22, je te dis quoi? Ok. Fais attention. Écoute, chouchou, il n'y a pas de gêne. Si jamais je sors des appels d'air, je saurai que c'est fait. Ah oui, mais ces trucs-là, ça se ressent. Ça dépend comment tu marches. Oui, c'est ça, complètement. Moi, quand j'en vois dans la rue, je sais pertinemment bien que je peux passer les deux mains et applaudir à l'intérieur. Ah oui, non, c'est pas du cheval, là, ce qu'ils font. Non, 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 c'est autre chose. Beaucoup plus hard. Ouais, ouais, ouais. Mais il n'y a rien à faire, on rigole que de cul, hein. Tu sais pas, cul, caca, pipi, ces trucs-là, on rigole. Dès que tu commences à devenir sérieux, que tu parles de politique, ça te fait chier. Ouais, ouais, on n'est jamais d'accord. On ne fait jamais plaisir à personne. Donc, vous en parlez de cul, au moins, c'est mieux. Cul et cul, ça va ensemble. Ça va, monsieur? Moi? Oui. Moi, j'ai pas remarqué, chaque fois que je retourne par là. Moi? Tracassou, je te dirai ça en privé. Bon, passez une excellente soirée, on se voit le 22 septembre. Oui. Et merci à Audi Choquet, je sais pas comment tu t'appelles encore. Enzo. 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 Ah, je vous jure, je tiens vieille, hein. Oh. Enzo, alors l'autre gamine là derrière, la blondasse là. Comment? Nathie.
Nati. Wow. Nati. On peut appeler Nati, hein, parce qu'elle a bien travaillé. Hein. Super Nati. On peut appeler ce jeune homme. Didier. Wow, Didier, je t'adore. Non, je vous dis, Didier, je vais en faire mon affaire, mais vous allez voir. Il n'a pas été réintéressant trop souvent en bas. Hein. Arrête de me le montrer, tu m'as dit qu'il avait une petite. Tu m'as dit qu'il avait une petite. Je vous ai dit qu'à tous les trois, ça préfère une grande. Racasse, chez moi, il y a assez de trous. Tu pourras changer celui que tu veux. Tout est propre chez moi. Bah ouais, je suis là à revenir, hein, on ne sait jamais. On peut tomber sur quelqu'un. Si tu vois ce que je voulais dire. Oh, désolé. J'ai pas vu que t'étais derrière avec le pantalon baissé, c'est ça. Ça arrive à ces trucs-là. À chaque fois que ma fille, je ne sais pas pourquoi, il a le pantalon baissé. Je me dis, bah c'est pas possible, quoi. Ouais, bah c'est parce que je leur fais de les faire, je sais pas. Dès qu'ils voient mon cul. Ils ont même pas besoin de regarder devant, hein. Ils sont occupés qu'à derrière, ça suffit. Ah oui, mais les hétéros, c'est toujours comme ça, je ne peux pas y aller chez moi. Tu resteras sur les couvertures et toi, pauvre tâche, et toi, tu resteras sur les couvertures. Non, mais. Non, mais je sens que t'as envie de moi, toi. Oui, Tracasse, on va les faire boire encore un petit peu, puis ça ira. Allez, passez une bonne soirée au 22 septembre. Venez nombreux, hein! Ah, quoi? De laquelle? Ah, ben écoute, je vais te faire celle que je vais faire où j'oublie Haro. Ah, bon, d'accord. L'autre, là. Toi, tu voulais mettre et que je t'ai dit non. Non!